Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un jeu d'horreur qui s'appelle Slenderwood. Oh yeah! Donc Slenderwood apparemment c'est le jeu d'où proviendrait la légende de Slender, donc tout ce qui s'ensuit les maps actuellement, donc le Slender dans la forêt, etc. Donc apparemment ça serait la première version de Slender. Vous pouvez qualifier ça ainsi. Donc déjà, il y a deux options. Et ça se lance pas directement, donc c'est un peu plus intéressant. Déjà, je peux vous faire une introduction un peu plus longue, et surtout voir ce qu'il en retourne niveau configuration, keyboard setup. Qu'est-ce qu'on peut changer? D'accord, ça c'est plutôt correct. Donc j'ai descendu le son pour que vous ayez, pour que vous m'entendez bien. Malheureusement, là j'ai un petit peu la voix cassée vu que je suis malade, malheureusement. Donc, ça fait une semaine que j'ai un rhume et ça me saoule énormément. Donc vidéo setup, on s'en fout. Keyboard setup, on peut changer ses touches et ça défonce. On peut courir, donc ça normal. Hein. Strat left, shoot. On peut shoot les gens. Apparemment, ça a l'air de défoncer. On peut shoot. Alors là, si on peut tirer. Qui demande le peuple? Bah, sans plus attendre, on va commencer. Hein. Play loading, oh yeah. Donc, je sens très mal. Parce que déjà, ça l'a un peu plus évolué. Parce que déjà, il y a un fond, il y a un menu. Et ça n'a pas l'air d'être basé sur Unity, parce que... apparemment, sur un autre moteur. Donc, story mode... pêche collection bonus. Ah, il y a un story mode. Sérieux? Il y a une histoire? Pas new game. Non, sérieux? Mais dis donc, je crois qu'on va peut-être faire un let's play dessus. Life and the day begin. Je vais arrêter. Je vais me taire, puis je vais vous laisser lire. Parce que ça doit être un peu chiant. Ok, le mec a décidé de bouger. Check it out. Ok, on va skip. Swag. Je suis dans une maison. Evil Dead, oh yeah. Donc, j'ai extrêmement peur de ce que je vais avoir, honnêtement. You have to text before leaving. D'accord. Avant de quitter cette... on a besoin d'une torche. Il fait noir ici. On peut pas allumer la lumière? Ben non. Voilà. Putain, j'ai eu peur cette frigidaire. On peut pas prendre. Est-ce qu'on peut pas prendre? On va sortir! Ah, une boussole en haut à droite. D'accord. Oula. Oh! Je le sens mal. Bon, on va à droite, les gens, ou à gauche? En tout cas, ce jeu-là. Totalement flippant, totalement horrible. Donc, on va aller à droite. Par contre, j'ai des petits lags, des petits ralentissements. Alors. Underground tunnel. Bah moi je préfère pas aller dans les tunnels, honnêtement. C'est pas mon kiff les tunnels. Oh la gauche. Ta mère. Non. Excusez-moi de cette insulte, mais là j'ai flippé ma race. Honnêtement, là ça va pas le faire. Me faites pas ce genre de conneries là. Non, ça va extrêmement pas le faire. Quoi, il se fout de ma gueule le mec? Ouah, quoi, c'est quoi ça maintenant? Non, je le sens extrêmement mal ce jeu, mais comment je vous dis extrêmement mal, je vais vite quitter. Isn't that progress save? Ok, bah ça a sauvé. Oui, bah je prends.
Non mais j'ai pas envie de savoir là, il y a des trucs bizarres qui se passent. Il sait construction sac west. Ok. En gros, je peux pas revenir à la maison. Trop de la balle. On va aller à gauche. Et je le sens mal. Mal. Je te lis comme même. Il y a des trucs qui bougent. C'est quoi cette merde? Il y a un truc à bouger. Il y a un truc à bouger sur la tête de ma mère. Sur la tête de ma mère, ce jeu il me fait trop flipper. En plus il fait noir là, actuellement il fait noir chez moi, mais je vous le dis, je suis en noir complet. Malheureusement je peux pas faire une facecam. Vous auriez kiffé hein. Je peux pas. Tout ça pour qu'on peut pas sortir. Je lag. Il y a des lags. J'aime pas les lags. Les lags me font flipper. On fout, je passe par là. J'aurais dû peut-être me renseigner un peu plus sur le jeu, honnêtement. Je crois que c'était une petite boulette de ma part. Parce que là, je sais pas où je vais. Je sais pas ce que je fais. Oh, du vomi. Non, c'est pas du vomi, bien évidemment. C'est une blague. Non. C'est très beau, mais c'est très flippant. Mansion, oh, il est super. Non, je vais pas là-bas. Bon, on va y aller quand même. Bon, apparemment, il y aura un château là-bas. Donc, château. Salut. Ah, c'est très joli. En tout cas, graphiquement, c'est plutôt très moche. Ah non, très joli. Ok, tu as besoin d'une clé pour ouvrir. Non, oula, non, il est là, il y a un slender. Il y a un pédophile. Non, retourne-toi pas. Ne te retourne pas. Non, ne te retourne pas, nanana. Prends ça, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a une touche d'inventaire? Je sais pas, j'ai pris un truc, je sais pas ce que c'est. Nanana. Life is life. La. Non. Bah, pendant que le Slender me poursuit, on a un petit projet avec Ced. C'est pour ceux qui ne voient pas qui c'est tout simplement le gars qui a fait la vidéo, la dernière vidéo sur la chaîne actuellement. Voilà, c'est, t'as besoin d'une clé, partout. Donc sur, on va faire une. Non, la Macarena. On va faire quelque chose de prévu par rapport à Slender. Donc si on arrive à le faire, ça va être totalement incroyable, totalement délire, totalement fun, totalement je suis dans la merde. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des épisodes qu'on doit tourner et qu'on va vous poster sur la chaîne. Donc voilà, et je tiens à préciser avant que je me fasse buter dans on va dire une dizaine de secondes, que le Mumble est toujours à disposition, hein, Mumble illimité, offert généreusement par... Attendez, il y a un truc qui se passe derrière moi et j'ai même pas envie de retourner, j'ai même pas envie de m'en retourner. Voilà, je savais pourquoi. Non, il me court après. Donc ouais, je disais un Mumble offert généreusement par notre partenaire. Donc notre partenaire, je vous conseille vivement de regarder la page, leur page location de serveur de jeu qui est totalement incroyable et qui va sortir sur peu de temps. Donc ça, c'est D. Non, take it alive. Oula, je lag, c'est horrible. Oui, non mais quoi? Non mais, oula. Va par là, fais-moi pas chier. Donc ça va être une vidéo très courte, je sens, parce que... comment dire? Ce qu'on va faire, c'est déjà, je vais me faire buter là. En très peu de temps.
Comme ça, je vois un petit peu ce qui en retourne et je vais pouvoir faire faire de recherches plus approfondies sur le jeu. Ah oh non, il est là. Là. Bon, on se fait. Ah putain, t'es moche, mais casse. Qu'est-ce que t'as, gars? Vas-y, viens chercher. Oula, là. L'animation du Slender est mieux faite en tout cas, j'apprécie mieux. Ça fout plus dans l'ambiance. Franchement, j'ai dix fois plus peur dans ce Slender là que les Slender actuellement qui sortent donc les nouvelles maps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas continuer parce que je vois qu'il y a deux modes de jeu, l'histoire et apparemment une autre chose pour récupérer des feuilles. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me renseigner. Je vais voir un petit peu ce qu'il faut faire. C'est parce que là, j'ai ramassé quelque chose, je sais pas. Qu'est-ce qui est ça, à quoi ça va servir. Donc je vais regarder s'il y a un inventaire, enfin plein des petites choses comme ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vidéo très courte, c'est normal. Et on va faire d'autres vidéos dessus, vous inquiétez pas. Car ça a l'air de démonter sa race. De toute façon, ça m'a démonté aussi, parce que là mon cœur est vassué et je suis à deux doigts de faire une crise cardiaque. Mais voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et nous on se retrouve pour d'autres vidéos totalement incroyables, totalement flippantes, en compagnie de Vicia Ced et de moi-même. Je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo. Peace!